from Ethiopia. Ethiopia is in the north of Ethiopia, Gondar, Armachoho. Armachoho, Ulkait, Agade, the north of Ethiopia. And I came to Ethiopia, Sudan. Sudan up to Libya, long time. And Italy. Yeah, and France. I was in prison 2 years. And my family, uncle, more than 500 people died by government, or my family, Amharas people, the Wolkait and Armachoho Tagadi area. You know? So that we leave it in my country and come here, Europa. And government, they change government. I want to back country, my country. I love my country, you know. You understand? Yeah. What do you love more in your country? More things I cannot tell now. Because I'm fed up, stress. Talk about to the road. We get more problem in Libya. The Muslims or, I don't know, the Arabs people, there are to catch. Give me money up to $4,000 I paid. I sell by 200 or 2,000, sell another businessman. He sell another businessman, like animals, you know. So I remember that. I have not forget Libya, especially Libya. I have not forget. Very, very hard. I cannot remember. Please, leave it. Because I am stressed. I remember the Libya. No. Bad country, bad peoples. Then it is source of political case. You have to, we like to peace. They have to peace in Ethiopia. No come here, peoples. But no peace, especially in our country, my country, the north. Near the Sudan, Armachoho, and the Wolkait. It is always a problem. No newspaper here, no any information. Maybe one soldier, he come shooting 4 and 5 people. No ask another, no information here, no network. No newspaper, no any people. He wants, he like died any people, you go. You understand? Yeah. So I leave it my country, I come. My wife and I have one son in Ethiopia. I don't know now where, I don't know. C'est vrai que ce sont typiquement ce genre de trajectoire de vie qu'on ne voit généralement pas quand on parle des migrations. On a généralement un œil qui est figé sur la manière dont on va percevoir les migrants qui arrivent en Europe à travers leur récit de vie.
mais on parle très peu de la manière dont les migrations sud-sud et les violences qui traversent, principalement quand on voit cette histoire avec des régions comme la Libye ou la Syrie qui sont complètement déstabilisées par des relations internationales, des enjeux politiques, et ces migrants se retrouvent complètement intégrés à cette déstabilisation, à ces enjeux internationaux qui les dépassent complètement. Et ils arrivent en Europe, comme il le dit, en ayant en idée qu'ils ne veulent pas forcément vivre ici, s'y installer, mais qu'il est complètement impossible pour eux de pouvoir revenir chez eux à cause de l'instabilité, à cause des violences, et aussi parce qu'ils n'ont en fait pas forcément les moyens de pouvoir retourner chez eux. Donc c'est à ce moment-là, généralement, que nous, en tant que chercheurs, on questionne la dimension de ce qu'on va appeler, du coup, le réfugié politique, le réfugié économique, ou ce qu'on appelle également parfois le terme migrant très générique, derrière lequel en fait on place des définitions qui ne sont pas du tout précises, où on n'arrive même pas nécessairement en fait à expliquer la situation de ces personnes qui sont en mobilité, mobilité qui est soit subie, en l'occurrence là on parle d'une mobilité qui est complètement subie, qui n'est pas issue d'un choix rationnel, c'est une fuite pour fuir une situation qui devient complètement invivable. Et le parcours de Salomon illustre bien aussi le fait que la totalité du parcours migratoire, la décision de partir de son pays, la décision de laisser sa famille en Éthiopie, ne sont pas des décisions qui sont construites. Donc il n'a pas perçu et construit son parcours comme étant quelque chose qui allait traverser des pays, construit autour d'étapes pour arriver en Europe. Mais son parcours migratoire est au contraire soumis à tout un tas de facteurs, et est soumis à la rencontre avec différents acteurs. Donc ça peut être des ONG, ça peut être des passeurs, ça peut être des groupes terroristes, ça peut aussi être d'autres migrants qu'il va rencontrer sur la route et qui vont orienter son parcours.